Iniziamo dall'estate, abbiamo la nascita dei capretti dalla metà di giugno in poi. In questo periodo ci sono dei raggruppamenti di femmine coi piccoli. È possibile vedere delle vere e proprie nursery, cioè dei raggruppamenti di piccoli custoditi, si può dire, da una o due femmine, mentre le altre stanno alimentandosi nelle vicinanze. C'è una differenziazione dei branchi di femmine e dei branchi di maschi che vivono su ambienti diversi. La ricerca di zone di alimentazione adatte è costante in questa specie. Durante l'estate lo stambecco cerca da un lato dei pascoli sufficientemente ricchi per alimentarsi, cercando di coniugare questa attività con una cattiva termoretrazione. La mancanza di ghiandole sudoripare lo fa spostare in quote sempre più alte in cui mitiga la calura estiva. Et puis à l'automne, bon, c'est des saisons de transition hein, où ils transitent entre les zones d'hivernage et les zones d'estive et de reproduction. C'è un avvicinamento appunto di questi branchi, in particolare durante il periodo degli amori ci sono questi combattimenti tra maschi per definire gli esemplari che si accoppieranno con le femmine. Et là, juste en face de nous, nous avons des bouquetins en rut, des mâles, du coup, qui ont une attitude tout à fait particulière, puisqu'en fait, ils mettent leur corne en arrière, comme ça, et ils utilisent leur langue, qu'ils font sortir à répétition, comme ça, pour attirer les effluves à l'intérieur de la bouche. Et du coup, ces effluves sont analysés par un organe, qui s'appelle l'organe de Jacobson, qui permet au mâle, en fait, de savoir si la femelle est en chaleur ou pas. Les bouquetins, donc au printemps, ils sont plutôt en fond de vallée, ils se tiennent pour consommer, ils viennent consommer l'herbe fraîche, verte, parce qu'elle contient beaucoup de protéines, elle est très riche. Ils vont petit à petit, donc actuellement tous les bouquetins se trouvent en fond de vallée, à la fois surtout les mâles qui ont besoin d'une consommation plus importante, aussi les femelles qui sont à proximité mais se tiennent quand même proches des barres rocheuses. Puis vont petit à petit, ils vont tout au long du printemps suivre la repousse de l'herbe en remontant depuis le fond de vallée vers les plus hauts sommets. Et à partir de la moitié du mois de mai, où les animaux vont quitter les zones d'hivernage pour partir sur les zones d'été. Et donc là, les femelles en général vont partir souvent un petit peu avant pour aller mettre bas les cabris dans des barres rocheuses à l'abri des prédateurs. Et donc là, la mise bas des cabris va avoir lieu entre le 15 juin et le 15 juillet globalement. Et dopodiché qui ricomincia il ciclo perché a questo punto la tardissima primavera, l'estate, siamo di nuovo rinascita.